Hop, là c'est normalement c'est bon. Alors j'ai décalé un peu le micro pour avoir le clavier bien en face. Le son est fort par rapport à ta voix. Normalement c'est fait. Normalement c'est fait, ma petite aurore. Bonjour Sophie. Coucou Kenny, Okolive, génial. Oui, je me mets sur Okolive. Enfin, je me mets. On va déjà faire une découverte ensemble, même si vous connaissez le jeu, puisque Zabou a fait à peu près 58 vidéos sur Okolive. Non, une trentaine, je crois. Et on va découvrir ça ensemble. Alors, j'ai eu un moment de panique. J'ai lancé le jeu. Enfin, j'ai téléchargé le jeu. Et je ne pouvais que charger une partie, puisque Zabou avait commencé les premières versions de l'Early Access sur mon profil. Et je ne savais pas comment faire une nouvelle partie. En fait, il fallait que j'aille dans les emplacements de sauvegarde et que je supprime la sauvegarde. Enfin, que je mette nouvelle partie dans les emplacements de sauvegarde. Mais du coup, ça va. Le moment de panique est vite passé. J'ai réussi à gérer plus ou moins. Donc, du coup, ça va. Ça, c'est la souris pour le stream, ok? Je te pose la souris. Reste tranquille. Voilà. Maintenant, je prends ma souris pour jouer. Voilà. Normalement les paramètres, j'avais tout regardé, tout réglé, tout géré, il a pris ma manette Xbox, ça c'est bon, parce que je vais jouer à la manette quand même. Résolution, on est au taquet, tout est coché, j'ai mis l'anti-crène là, j'ai mis la qualité des ombres en... Est-ce que je suis au max? Oui, ok. C'est coché... Texture anisotropique, je sais jamais ce que ça veut dire ça, si je dois le... On va laisser comme ça. Coucou Elodie! Ça va bien? Bonjour Cathy. Oui, la forme. Oui, oui, la forme. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ok, normalement, c'est bon. Eh ben, on peut partir. On peut y aller. Comment c'est parti? J'ai peur. Coucou Marine. C'est parti. Ah, bonjour. Il faut faire son personnage. Alors. Réglage couleur de peau. Ah, t'es tout rose. Ah, t'es tout... Là c'est un peu mieux. Ok, couleur des yeux, on va faire comme moi, on va mettre les yeux bleus, hein. Voilà, couleur des cheveux. Ah mais attendez, on peut personnaliser. Mais je n'avais pas vu. Ah ouais, on peut faire un alien. On peut faire un E.T. Trop bien, oh la vache. T'as pas la même coupe de cheveux? Non. Attends, j'ai pas fait les cheveux encore. Il est tout vert, mais oui. Je vois mal le perso. Ça y est, ça va aller là. Oh putain, ça pète les yeux. Hein. C'est pas trop mal là, non? C'est trop. Bon, on va laisser comme ça. La couleur des yeux, c'est bon. Couleur des cheveux. T'es tout mimi, Kenny. Merci. Il te ressemble, là. Oh, oui. Trop bien. C'est lequel qui me ressemble? C'est le tout jaune ou le tout vert? Mèche? Qu'est-ce que c'est? Ah, bah, ouah. Je vais mettre des mèches grises, hein. Je suis un vieux monsieur. On va mettre des mèches grises. Tache de rousseur, oui, non, ok, on va laisser, hein. Et les joues, c'est quoi? Ah, c'est des petites taches sur les joues, ok. Ça, c'est tout bon. Ensuite, alors, les coupes de cheveux. On peut pas, par contre, il n'y a pas une personnalisation en plus pour les coupes de cheveux, du coup, on est obligé faire pivoter. Oh! Eh! Il est pas classe. Là, on dirait moi, hein, sans cheveux ici, là. Mon grand âge... Il fait la perte de cheveux, ça va bien. Le tout vert, aurait Audrey. Ah, classe, hein. J'ai quand même regardé... On prend ça. Eh, elle a pas mal aussi, hein. Ah, quoique, je préférais l'autre. Ok. Putain, ça en fait. Ça en fait. Ah, ça c'est Zabounette, ça. Ah, on peut faire sans cheveux. Bon, on va reprendre celle... C'était celle-là? Ouais, c'était celle-là. Avec ma... Ah, j'ai pas mis ma mèche aujourd'hui. C'est dommage. J'avoue, je suis sorti de la douche et je me suis pas recoiffé, en fait. J'ai honte. Ouais, c'est bien, là. Allez. Vas-y, petit bonhomme. Trop beau, merci. T'as le look coco. Merci, Fred.
Ça fait tellement bizarre de jouer à ça. Il pleut. C'est normal, il pleut. Il fait un temps de merde. Le train, ouais, le train. Alors, manette. Oh yeah. Oui, c'est moi. Oui. Oui, t'inquiète, ok. On peut rien faire avec ça, j'imagine. Indisponible, merci jeu. Trop bien. Ah mon sale, Y. Y'a rien dedans. Ah oui, bah c'est le village en fait. C'est le village. Zabou doit être en train de rager déjà. Mais c'est pas là qu'il faut aller. Il faut que tu ailles là. Oui, je sais. Bonjour. Bienvenue, bienvenue. On dirait qu'il pleut encore. Oui. Assieds-toi, repose-toi un peu. Eh, hey, il est trop bon, mon petit bonhomme. Hein. Je ne joue plus la manette sur ce jeu, mais je me suis faite au clavier souris. C'est plus pratique car beaucoup de choses où tu es obligé de beaucoup de phases où tu es obligé de l'utiliser. Et du coup, c'est pas chiant de jouer sur un jeu 3D vu du dessus comme ça au clavier souris. Assieds-toi. Oui. Ok. Tu veux une boisson chaude pour te réchauffer? Un café. Ça arrive. Eh bien, c'est pas tous les jours qu'on voit une nouvelle tête au village. J'espère que tu n'as pas trop pris la pluie. Ces derniers temps, la météo est exécrable. Oui, ce n'est pas faux. Alors, attendez, Oma, c'est qui? C'est l'éléphant? Ouais, Moss, c'est lui, ok. C'est quoi? C'est une girafe, d'ailleurs. Dis-moi, tu n'aurais pas apporté le soleil avec toi, hein? Ben non. La choutitude, ce jeu, mais complètement. On s'y fait, le début, c'est chiant, mais en fait, je préfère. Ok, écoute, pour l'instant, tu m'en veux pas, je vais rester à la manette. Haha. Voilà, au fait, je m'appelle Oma et voici Moss. Ravi de voir une nouvelle tête au village. Comment t'appelles-tu? Ah, tu dois utiliser un clavier. Voilà, c'est, en fait, c'est là, du coup, pour ceux qui ont suivi un petit peu nos vidéos sur le Steam Deck, c'est là que le jeu pose problème pour ceux qui y jouent sur Steam Deck et pas sur PC du tout. En fait, si vous voulez jouer, je fais une petite parenthèse, hein, en plus de la vidéo que Zabou a très bien fait, bravo Zabou, vidéo très professionnelle comme d'habitude. Fire! Si vous y jouez uniquement sur Steam Deck, il faut obligatoirement passer soit par le mode bureau du Steam Deck, mais pour ça il faut avoir un clavier souris, soit passer par un PC du coup, pour pouvoir faire ce genre de choses. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Conchou. J'ai fait une faute. Hop. Vous pourriez jouer tous les deux sur la même cartouche. De quoi parles-tu, Amandine? Au jeu? Et oui, déjà, ouais, c'est sur PC. Donc il n'y a pas de cartouche du coup. Et je crois qu'il n'y a pas de multi du tout encore hein, sur Ocolife. Ou je peux te dire des conneries peut-être. Ah, Kanchu. Quel joli nom. Merci. Ravi de te rencontrer, Kanchu. Et j'imagine que tu ne sais pas où dormir cette nuit. Pas vraiment, non. Pas de multi, ouais. Ne sois pas bête, j'ai de la place ici. J'ai une vieille chambre à l'étage. Elle est sans doute poussiéreuse, mais un peu de poussière n'a jamais tué personne. Je parie que les araignées apprécieront d'avoir de la compagnie. Tais-toi, c'est pas si terrible. Ne fais pas attention à ce que dit Moss. Ah ah, je parie que c'est joli. Ah. Y a pas de mode cop encore, ok. Mettre vie de perso sur le même village. Ouais, tu peux pas en fait. Tu ne peux pas. En fait, comment as-tu atterri ici? Je voulais du changement. Ah, on sait pas en fait d'ailleurs. Un peu de changement fait du bien de temps en temps. Oui, c'est vrai. Le village est un endroit paisible, ça me convient. Moss tient la boutique de l'autre côté de la rue. Elle n'est pas immense, mais on y trouve tout le nécessaire. J'y pense, je dois me procurer de nouvelles tuiles. Quelques-unes sont tombées lors de la tempête de la nuit dernière. Je devrais avoir ce qu'il faut pour affistoler ton toit. Fantastique, bon sang, on n'arrête pas de discuter. Ça ne doit pas être passionnant pour toi. Tu t'es endormi dans le train, ok. Je parie que tu apprécies juste d'échapper à la pluie, pas vrai? Oui. Bon, je dois y aller. Il se fait tard. Je vais bientôt fermer. Tu
peux monter quand tu veux, Kenshu. Ta chambre est à l'étage. Passe par la porte juste derrière. Merci. Tu t'es endormi dans le train, c'est comme ça que tu as atterri là. Ok, ok. En attendant, bonne nuit. Bonne nuit. Ah, je suis pris dans les fils. Il est trop bien, mon perso. Pardon, je répète tout ce que tu dis sans le vouloir, Zabou. Ah, je suis trop bien, il est trop bien, mon perso. On peut leur parler encore ou pas? Parlez. Je vais bientôt y aller. Il faut ouvrir la boutique pour les clients du matin. Ok, je t'ennuie, quoi. Pour dormir, interagis avec les lits. Les lits permettent de faire la sieste quelques heures ou de dormir jusqu'au jour suivant. Il se fait tard. Merde, j'ai pas lu la suite. Y'a rien. Ok, alors on peut faire quoi du coup quand on ouvre des trucs? On peut transférer, j'imagine, du sac à une armoire, ça doit être là où on stocke les objets. Et transférer la pile, ça doit être prendre tout ce qui est dans le sac et tout mettre dans l'armoire. Il est trop classe ton perso. Merci Farinette. Dormir. Alors. Ça va le son là du coup? Presque. Ah, presque. Ok. Tu as bien dormi? Très bien. On dirait que tu nous as amené le soleil. Parfait, il fait vraiment beau aujourd'hui. Moi, ça a même réussi à dégager l'arbre qui était tombé. Tu vas pouvoir explorer le reste du village si tu veux. D'ailleurs, dans la première bêta, fallait pas enlever l'arbre soi-même? C'est la pile d'un même objet, pas le sac entier. La pile d'un... Comment un même objet peut avoir une pile? On verra bien. Tu peux monter un peu le son? Oui, je peux monter un peu le son. Hop. Si on devait le faire, c'est bien ce qui me semblait. Je parie que tu meurs d'envie de rencontrer les autres villageois. Elles seront ravies de voir une nouvelle tête. Au fait, tu peux rester ici autant que tu voudras. Comme tu peux le voir, je n'ai pas beaucoup de clients, alors je n'aurai pas besoin de la chambre tout de suite. Si tu as 10 pierres par exemple, ou genre si tu as 10 herbes. Ok. Mais je t'en prie, prends le chemin vers le nord si tu veux visiter le reste du village. D'accord. C'est pas très beau quand même, hein. Ah, on peut zoomer, dézoomer. Zabou, t'as jamais montré ça? J'avais dit que t'étais professionnel, mais pas jusqu'au bout, hein. Regarde. On peut zoomer tout doucement. On peut zoomer tout vite, tout vite. Tout vite. Tout doucement. Tout doucement, tout vite. C'est trop bien. Il y a une variante, j'ai dit herbe. Verrouillé, ok. On ne critique pas Zabou, non, mais écoute, si je suis obligé de passer derrière elle pour refaire son travail, c'est qu'il y a des petites choses à redire. Si elle a déjà montré, il me semble. Salut Pim, quoi de beau? J'ai fait un somme sous un arbre et quand j'ai ouvert les yeux, mon écharpe rouge avait disparu. J'ai commencé à la chercher, mais c'est trop grand. C'est trop grand, monsieur, ça fait 4 mètres carrés. Et puis j'ai faim, ça je comprends. C'est gentil. Je vais peut-être faire une sieste pendant que tu cherches. T'as le mec. Inutile d'être à deux à la chercher. Bah oui. Kenny, arrête de faire mumuse. D'accord, Elodie. Salut, Galou. Voilà un bon coin pour faire un somme. T'as le mec. Tu vas dormir ou pas? On peut faire du surplace, c'est trop drôle. Tu fais la tectonique devant le cochon. Il joue à pim ou face. Alors, écharpe rouge. Écharpe rouge. Hop. Et du coup, on l'a dans le sac. Ok. Alors j'ai toujours l'impression, et pareil quand je regarde les vidéos de Zabou, je sais pas si vous remarquez, il y a comme un espèce de filtre sur l'écran en fait. Comme un espèce de petit voile blanc, je sais pas si ça vous fait le même effet ou pas.
que des blagues pourries, vous avez l'habitude à force. T'étais pas là ce matin, Audrey. Hein. J'ai enchaîné, hein. T'es un vrai danseur, oui, hein, regarde. Yeah. C'est vrai, hein. Ouais, t'as vu, c'est vrai que le petit filtre, là, c'est très très bizarre. J'ai trouvé. Elle était bien cachée, dis donc. C'est génial, je vais pouvoir reprendre ma sieste tranquillement. Et c'est tout? Je devrais essayer d'organiser une soirée film, ce serait plus simple que quelqu'un le fasse à ma place. Ok, j'ai compris à qui nous avons affaire. Faudrait que je regarde la rediff. De ce matin, du coup. Elle va être en ligne bientôt. Et du coup, je vais où, là? Je fais quoi? Allons voir sur la plage. Mer. Moi aussi, j'ai le voile. Ouais, c'est... Mais Zabou aussi, il l'a sur son écran et sur mon PC aussi, en fait. Oui, un coquillage. Un papier. Ah, j'ai pas de filet. Nul. Nul, nul. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que je dois faire? C'est marrant quand on n'a pas les mêmes villages avec le même disposition comme Animal Crossing au final, sauf qu'on choisit pas. C'est vrai. J'ai jamais fait attention pour le voile. J'ai l'impression. Ah ouais, du coup on n'a pas le même village, du coup Aurore et Zabou, on n'a pas les mêmes villages. J'avais... Ok. Ok, ok. Un ponton. Zabou, regarde, c'est un ponton. Pas un panton. Un ponton avec un on. Va me tuer. Alors, bienvenue à tous ceux qui rejoignent le stream, n'hésitez pas à follow pour voir plus de super contenu de qualité. Mais c'est tout. Est-ce que je dois rentrer dans les maisons du coup? Ah mais c'est le bordel en plus partout. On va aller voir. Moi j'ai pas la même en tout cas, ok. Qu'est-ce qu'ils disent à boucrotte? Moi, il est pareil, ok. Y'a quelqu'un? Rentre dans les maisons, fais connaissance. Bah, y'a personne! Regarde! On va faire l'autre. Ah, bonjour, Eulander. J'ai du mal à retenir les noms. Je peux t'appeler Patate? Oui. C'est tout. Oh, les lumières. C'est tout ce que tu me dis. L'autre jour, Pim m'a dit que je n'étais pas si grognon que ça. C'est gentil, tu ne trouves pas? Au revoir. Louis Funès. Bah oui. Ça te va bien, merci. Patate toi-même, mais grave. Par contre, qu'est-ce que je dois faire? Là, il y a des maisons encore. Ah mais, ah bah oui, c'est verrouillé, elles sont capoutes. Ah, je vais retourner. Va voir Oma, c'est ce que j'allais faire. T'as la couleur de cheveux en même temps, ton nouveau surnom. Mes cheveux ont la couleur d'une patate. Allez, on descend. Bonjour, bonjour. Comment vont les autres? Bah, il y en a un. Deux, pardon. Un qui est un gros feignant et l'autre qui fait des blagues de merde. J'ai discuté un peu avec Moss et on se disait, si tu te plais ici et que tu veux rester un peu plus longtemps, on pourrait te bricoler un endroit où t'installer. Je veux bien. Tu les as peut-être remarqué, mais il y a deux maisons dans le village qui sont abandonnées depuis un moment et qui pourraient être rénovées. Oui, ça ne devrait pas être trop compliqué. Alors, si ça t'intéresse, on pourrait récupérer quelques ressources ensemble et retaper une de ces maisons pour toi. Yes! Kenny, si tu es perdu, à voir les vidéos de Culture Gaming et n'oublie pas de t'abonner.
D'accord, Amandine. Qu'en penses-tu? Super. J'ai récupéré quelques branches et débris autour des maisons la dernière fois que j'y suis allé. Il faudrait donc dégager tout ça avant de commencer. Mais j'ai pas d'outils, monsieur. Tu peux aller voir Moss pour voir s'il a des idées, bien sûr. Ça va être super. Ok. Alors Moss, je sais pas où il est. Il est peut-être avec Kate. Moss, il est peut-être avec Kate. Non. Boutique. Ah mais c'est à la place du village la boutique, c'est vrai, c'est pas dans le Vita, c'est pas Animal Crossing. Le magasin en face de l'hôtel. Yes, c'est ça. Bah oui, Audrey. Oh merde. Salut. Eh, hey, mais esquive pas. Parle-moi. Il est fou cet homme. Ah, Kenshu. Tu as parlé à Oma, j'imagine. Oui. Bien, bien. Ça ne devrait pas être trop compliqué de retaper une de ces maisons. Tu as raison. Il faut dégager ce bazar. Tu sais quoi? Je sais ce qu'on va faire. Il se trouve que j'ai une vieille hache avec laquelle tu pourrais éliminer ces bûches et ces branches. Tiens. Va à l'une des maisons et mets-toi au travail. Ensuite, on repassera à la rénovation. On passera à la rénovation. Ok, je l'ai. Du coup, il vend quoi? Du rembourrage, de base de teinture, colle. C'est étrange que tu vends. Ah, c'est peut-être du craft, c'est peut-être pour du craft ces trucs-là. Omar Rizzi, tu savais. Tu es pire que moi, Audrey. Trop classe le canapé. Tu veux l'acheter? J'avoue, tu veux pas aller à côté de lui, ce serait trop drôle. Je crois aller tranquillement pépère, elle la récupère de son stream de ce matin. Qu'est-ce que je devais faire? Aller aux maisons. Ça, toi, tu veux pas m'aider, hein? Non, t'es tellement feignant. Pour utiliser l'hache que tu as reçue, ouvre ton sac à dos en appuyant sur Y. Voici le contenu de ton sac à dos, sélectionne la hache pour t'en équiper. Tu peux aussi afficher et masquer le panneau de l'équipement en appuyant sur O. Ok, c'est le menu rapide en fait. Comme sur Animal Crossing, c'est cool. Tape les bûches, oui. Est-ce qu'on... On peut pas le taper lui, merde. Ça marche pas. Ah si, ça y est. Tourne-toi. On voit rien. Est-ce que ça casse comme dans Animal Crossing d'ailleurs? Ou pas? Hop. Oh merde, c'est un arbre ça, Kenny! Je regardais le chat! Mais oui, j'ai jamais eu ce beau canapé, il est trop classe. Non, ça casse pas, ok. Ça y est, il veut déjà taper les habitants. Bah oui, tu peux pas, t'es obligé de lui parler quand tu te rapproches, c'est nul. Je peux couper les arbres aussi, c'est pas grave. Et du coup, devant la maison, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Oh, je vais le couper celui-là. J'avais peur de faire une connerie. Et la souche, là, on peut pas l'enlever. Non. Ah, je suis coincé. Avec l'appel pour la souche, d'accord. J'avais pas vu qu'il serrait les dents le perso quand il tape. Regardez, trop bien. Je regarde si le stream est fluide, ça a l'air d'aller. Ok. Heureusement que Zabou est là, ça va, j'aurais trouvé. Calmez-vous quand même. On va encore faire les deux là et puis après on va retourner voir... Le son est nickel, parfait alors. Bonjour Meremfa, bienvenue. N'hésite pas à follow si ce n'est pas fait. Bienvenue sur le stream. Tourne-toi s'il te plaît. Mais qu'est-ce que je fais?
Ah, monsieur. Mais. Oh putain. Je crois qu'il y en avait encore une en bas. Ouais là. Ok. I think it's good. Du coup, les habitants, vous aviez les mêmes aussi, Audrey, Aurore et Zabou? Genre le cochon et l'autre qui m'a dit pas que j'étais une patate. Est-ce que vous avez les mêmes? Est-ce que c'est sur, comme sur Animal Crossing, c'est aléatoire au début ou comment ça se passe? Dites-moi tout, les spécialistes. Il est tellement relaxant ce jeu, quel plaisir. Mais ouais, grave, hein. Je dois aller voir qui là? Je retourne à la boutique ou je vais voir l'éléphant rose? Je vais à la boutique, je crois. Attends. Non. Alors, range ça. On a 46 graines de conifères. Ah, bah oui, c'est parce que j'ai planté l'arbre. Comment ça va? Maintenant que tu as fait de la place, on va pouvoir s'y mettre. Va voir Roma pour savoir ce qu'elle en pense. Ah, c'est une fille. Je peux te vendre des trucs déjà? Non. Non, t'as les... Attends. Non, ça veut dire que t'as pas les mêmes habitants du coup? Je ne sais plus qui j'avais eu au début, mais au final, tu les fais tous emménager au fur et à mesure. Je ne crois pas que j'avais ceux-là quand j'ai démarré. Ok, c'est vrai que ça date aussi, hein. Puis suivant les versions sur lesquelles vous avez commencé le jeu, bah, le jeu est différent, du coup c'est vrai que c'est pas exactement pareil. Mais range-moi cette hache. Salut Conchu. Je ne crois pas que j'avais ceux-là quand j'ai démarré, ouais. Ouais. Tu as pu dégager les bûches, oui. On va pouvoir commencer les rénovations. Enfin, presque. Il nous faut d'abord quelques ressources. J'ai une vieille boîte de dons dont tu peux te servir. Une boîte de dons? Ça nous servira à rassembler toutes les ressources nécessaires pour rénover la maison. Ok, donc je pense qu'il va falloir prendre des objets et les mettre dedans. Si tu interagis avec la maison que tu veux rénover, on pourra poser la boîte de dons devant et récolter tous les dons pour la maison. Ok. On va choisir notre maison. C'est émouvant. Pour ma part, c'est plutôt que j'ai pas de mémoire. C'est émouvant. D'ailleurs, ici, c'est fermé, hein. Ouais, on peut pas aller au... Je crois que c'est ouvert ici après ou c'est plus bas? Putain, je sais plus. Par contre, t'avais dit que j'avais ramené le soleil, monsieur, mais c'est pas non plus grand soleil, hein. C'est nouveau ça? Ah bah je sais pas. Ah je ne peux pas te dire. Aucune idée. Tu parles du fait de choisir sa maison? Alors, il y avait celle-là, qui est proche de l'entrée, donc l'entrée est ici. Ça manque d'une map quand même. Hein. Alors, il y avait celle-là. Non, celle-ci elle est occupée. Celle-là. Celle-là qui est au bord de l'eau. La caisse de son, la caisse de dons, ah c'est nouveau? Bah je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Mettez-moi soit la maison près de la... Mettez rivière pour la maison qui est au fond près de la rivière. Ou entrée pour la maison qui est près de l'entrée, celle-ci. Choisissez. Entrée ou rivière. J'ai eu ça quand j'ai recommencé ma partie, mais pas sur la première. D'accord. Rivière. Je voulais te quitter, je regardais la rediff à ce soir, Kenny, je vous adore parce que vous êtes exceptionnel. Des gros bisous, Amandine. Merci d'être passé. Oups, je casse ma cigarette électronique. Entrée. Alors, on a une entrée, une rivière. Deux rivières. Trois rivières. Quatre, cinq. Désolé, mamie Sophie, je pense que ça va être rivière, du coup. Rivière, encore, ouais. Zabou, t'as voté deux fois, tricheuse. Rivière. Ok. Bon bah, attendez, je bois un petit coup à faire rivière. Désolé Sophie. Tu m'as pas compté. Si si, je t'avais compté. T'es le premier rivière que j'ai lu. Peut-être dans ma tête, mais j'ai vu. Si si, je t'avais compté, Zabou.
Donc rivière. Et oui, tant pis. I'm so sorry. Mais la... en cette période d'élection, la majorité a parlé. Interagis avec la boîte de dons pour y ajouter des ressources. À gauche, tu peux voir les objets de ton sac à dos. À droite, ce sont tous les objets contenus dans la boîte. Tu peux aussi voir les conditions des rénovations. Choisis un objet pour le transférer entre ton sac à dos et la boîte. Mais attendez. Élément requis, il me faut des bûches 40. On va mettre ça alors. Je transfère tout ou 40? On va mettre 40 déjà. Tiens. Eh bien ça alors, tu as réussi. Ça va. Je reconnais à peine cette maison. Ah, elle est déjà faite? Pas mal du tout. Attends, on l'a vachement vite la maison. Tu sais quoi, il faut fêter ça. Exact. Tu l'as bien mérité. Je vous invite à dîner. Ça n'existait pas ça. C'est bien du coup pour Zabou, elle voit maintenant comment le jeu a évolué du coup depuis qu'elle l'a commencé elle. Ah bah ça va être un truc à l'Animal Crossing. Quand ils font la fête, quand tu fais un pont ou une nouvelle maison ou... C'est ton meilleur ragoût. Les repas sont toujours meilleurs après une dure journée de travail. Comparé à avant, oui, on l'a plus rapidement, ok. Kenshu va pouvoir s'installer dans une jolie maison. Bravo Kenshu. C'est vrai, beau travail. Et ça donne une toute autre allure au village. Parfois, il suffit de l'énergie d'une nouvelle personne pour tout changer. C'est moi. À ce propos, tu dois être sur les rotules après tout ce travail. Je suis très fatigué. J'imagine que tu vas vouloir rentrer pour passer une bonne nuit de sommeil dans ta nouvelle maison. J'ai déposé un sac de couchage en passant. Ça devrait être un peu plus confortable pour toi. Merci. Petite astuce, tu peux voler les meubles dans la petite chambre où tu as dormi. Ah! Tu crois que ça marche encore? Je vais essayer. Malinette! Il se fait tard. On va te laisser te reposer. Je l'ai fait, j'imagine. Bonne nuit! C'est ma maison. Attendez. Du coup, on va aller voir. Oh, mais non! J'ai lancé un nouvel événement. Bonjour Kenshu, c'est qui? C'est Moss. Tu as bien dormi j'espère? Oui. Pas du tout en fait, mais... Après notre petite fête d'hier soir, j'ai bien réfléchi. Le fait de rénover cette maison a bien changé le village. Je me suis dit qu'on pourrait faire d'autres choses pour améliorer l'environnement. Ça fonctionne encore, j'ai volé la commode pour avoir du stockage. Eh ben, je suis pas fier de vous. Hein. Je le ferai après, oui. Donc, je me suis dit qu'on pourrait faire d'autres choses pour améliorer l'environnement. Tu en dis quoi? Bonne idée. Génial. Après, pour tout te dire, je n'ai pas vraiment d'idée précise encore. Peut-être que les autres villageois auront des suggestions de choses qu'ils aimeraient voir au village. Si tu as un peu de temps aujourd'hui, pourras-tu aller les voir pour leur demander? Ok. Perfecto. D'accord. Alors. On va aller voir ce qu'on peut voler. Ce qu'on peut emprunter. Bien sûr, avec un... Facture à l'appui, quoi. Regardez la petite tête de voleur, là. J'arrive. Salut. Je ne fais que passer, je vais... Regardez la vue. Comment on fait? Transférer. Il se passe rien. Ça marche plus. Ton haha va tuer. Normalement, il y avait une touche qui était marquée prendre ou un truc comme ça parce que là, je peux rien faire. Hein. Oh, j'aurais pu avoir un petit coffre en bois clair et un petit seau et un petit lit. Faut ce jour. Oui, c'était déplacé, ok. Non, tu peux pas, ils ont dû changer ça lors d'une mise à jour. C'est pas très gentil. Au revoir, monsieur l'éléphant rose.
Moins pro. Ouais, mais j'ai essayé, mais on m'éloigne un petit peu, Cathy, il se passait rien. Non, non. Non, non. Là, par contre, il fait vachement beau. Hein. Fallait que j'aille parler aux habitants. Salut. Oh, Kenshu. Ah, elle m'appelle par mon prénom. J'étais au milieu de quelque chose, mais t'as la sympathie des gens, quoi. Peut-être après, une fois le pseudo tuto passé, peut-être. J'étais au milieu de quelque chose, mais d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, avant, on avait au moins une jardinière ici, mais il n'y en a plus. C'est vraiment regrettable. Ça me fait plaisir de constater que quelqu'un prend les choses en main ici. Ça fait un petit moment que tout va à volo. Comment je fais une jardinière? Attendez, c'est ça ma maison d'ailleurs? On va regarder quand même, on n'a même pas vu. Ça doit être récent ou alors il faut apprendre à déplacer, je ne sais pas. Ah, peut-être! Et pitoyable ma maison. Hein. Oh, lumière! Ah, mes yeux! Donc lui, il veut quoi? Une jardinière? On voit même pas les persos quand tu parles. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Du coup, c'est. Non, c'était chez lui, ça. Salut! Oh, Kenshu, c'est toi qui as réparé la maison? Oui! Oh! Je n'aurais jamais eu le courage de faire ça. Bah oui! C'est beaucoup trop de travail et de stress. Je préfère rester en dehors de tout ça. Oh là là! À part ça, quoi de neuf? Aucune idée. Une clôture, par exemple? Ça marche. Ouais, je vais retourner les voir, Cathy, du coup. Bon, bah d'accord. Donc ça, c'est la maison du cochon. C'est la maison du... Je sais pas comment on peut l'appeler. Moi, je veux pêcher. Je veux une canne à pêche. N'empêche, c'est tout petit au début. Hein. Quand je vois la map que Zabou est là sur sa partie... Salut! Super! Merveilleux! Alors, on t'a demandé une jardinière et une clôture au village. Ça me semble pas trop compliqué. Je n'ai rien dit de ça ici. Sally pourra sans doute nous aider. Qui est Sally? C'est vrai, tu ne l'as pas encore rencontrée, je crois. Sally est généralement occupée à bricoler dans son. Oh, je dois faire des plans. Ça va être un carnage. Ça va être un carnage. 175? Je peux pas lui vendre des trucs à lui maintenant? Non, toujours pas. Mais non, t'inquiète, ça a changé. Je m'inquiète, hein. Par contre, Sally, elle est où? Parce qu'il n'y a pas d'autres bâtiments, en fait. Pas de panique, un peu, hein. J'ai raté une maison? Attendez, ça c'est ma maison. Non, c'est celle-là, c'est laquelle ma maison? C'est ça. Hein. Ah, c'est ça, c'est l'atelier en fait, ok. Oh, salut. J'adore cette zik. Tu dois être... Attends, ne me dis rien. Ça me gratte la jambe. Tu dois être Kenshu, oui. Attendez, madame, je me gratte la jambe. Voilà. Je vous jure, c'est la jambe hein, qui me gratte. Hein. Correct. Salut, je suis Sally. Ravi de te rencontrer. Bienvenue dans ma petite maison en bois. Enfin, mon atelier. Comment vas-tu? Je peux t'aider, j'ai des demandes. Oh, génial. Tu cherches une jardinière, une clôture, c'est ça? Ça ne devrait pas être difficile. Pardon, ça ne devrait pas être difficile, cependant il va me falloir des ressources. Voyons, pour une jardinière il me faut... On ne sait pas si c'est vraiment la jambe. Si, si. Si, si, j'aurais. Bûche x 6, pétales jaunes x 2. Des pétales jaunes. Bûche x 4, ça devrait faire la... Donc il me faut 10 bûches et des pétales jaunes.
Dans ton sac à dos, tu peux voir les ressources nécessaires pour fabriquer un objet. Ouvre-le. Ouvrons-le. Tu as maintenant accès à l'onglet fabrication, consulte-le. C'est ça? Ouais. Ok. Donc j'ai déjà les bûches, ok. Il me manque deux pétales jaunes. Et là j'ai déjà les bûches aussi. Ah non, j'en ai... ah non, il va m'en manquer. Il va m'en manquer. Il m'en faut 10, j'en ai 6. Ok, il me faut deux pétales jaunes. Bois un verre d'eau, Kenny. J'ai ma gourde, t'inquiète, c'est prévu. Du coup, à droite, tu peux voir toutes les ressources, c'est ça, pour fabriquer cet objet. Ok, ok, ok. On a quoi d'autre? Ça, c'est le sac. C'est embellissement du village. Rassemble les ressources requises pour fabriquer une jardinière et une clôture. Ok, là, du coup, on a les plans. Ça me paraît... Franchement, le jeu, je trouve qu'il est très proche d'une version 1.0 quand même. Hein. Après, il a beaucoup de bugs à corriger encore. Zabou, elle peste beaucoup sur les bugs. Mais ouais, c'est plutôt... C'est plutôt bien foutu, je trouve. Ok, c'était bien ça. Et il me manque des bûches. C'est une sorte de buisson, ouais, ouais. Ouais, Qui a Cathy, Cathy. Oui, oui, oui. Je sais, je sais. Bon, on va péter cet arbre là. Oh! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des graines de conifères encore. Ok. Ils ont fait énormément de changements. C'est beaucoup plus agréable maintenant. Ouais, mais vraiment, quoi. C'est dommage, c'est petit au début, parce qu'on a vraiment envie de chiner, en fait. Je veux pêcher. C'est injuste. Où est l'atelier? Il est là. Par contre, on peut pas ranger ce truc. La hache. Ok, il la range tout seul, en fait, c'est ça. Salut Kenshu, c'est moi. Comment ça se passe? Je bois un coup. Croix additionnelle vers le bas, ok. J'ai tout. Super. C'est des graines de conifères que tu pourras planter quand tu auras la pelle. Ok. C'est parfait, allez bricolons. J'ai peur. Tu sais quoi? Quoi? Pourquoi tu n'essayerais pas de les fabriquer? Tu m'as l'air d'être quelqu'un capable de manier un tour à bois, qu'en dis-tu? Pas de problème. J'apprécie ton enthousiasme. Tu vois ce plan de travail juste devant le poêle? Non. Ça, c'est un plan de travail, mais je vois pas de poêle en fait. Ok, c'est vrai, on s'en fout. C'est là que tu peux fabriquer des choses. Transformer des ressources en d'autres ressources. Fabriquer des objets. Incroyable, non? Waouh! Ok. Essai. Ah, c'est ça le poil, ok. Ça, c'est les plans, je crois. Créer, ok. On va aller là, du coup. Alors, ici, tu peux voir toutes les formules dont tu disposes. Pour en utiliser une, sélectionne-la. Donc, on va déjà fabriquer... c'est quoi? C'est la jardinière. Ça, c'est facile. Ta réaction est marrante quand on sait ce qu'il se passe. Ah! Ensuite, bûche. Pour les clôtures, fabriquer, oui. Waouh! Regarde-toi. C'est une jardinière superbe. Et ce n'est sûrement pas la première fois que tu fais une clôture, pas vrai? Je suis trop fort. C'est très beau. C'est très beau, on croirait Nico. Je parie que Moss sera ravi. Passe-lui le bonjour de ma part, d'accord? Ok. J'aime trop ce jeu, mais oui! Quand je te dis, quand tu fais les vidéos, je le kiffe. On t'avait dit, pas de panique. Non, mais c'est pas ça qui me faisait peur, en fait. C'est... Genre fabriquer une chaise, un lit, une table... tu vois? Mais genre là, j'ai accès aussi. Qu'est-ce que tu fabriques? Je préférerais que tu ne touches pas mes affaires. Apprends-moi! Tu peux pas encore, bah oui, j'imagine.
Je dois aller voir qui? Je dois aller au magasin. Alors, le seul truc qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de mode caméra libre. Ou alors, comme sur Animal Crossing, où on peut baisser la caméra ou taquer en fait, pour voir plus en profondeur, pour dire, je sais pas si c'est très clair. Je sais de quoi tu parles, mais c'est comme avant, c'est pour ça que je te dis pas de panique. C'est ok, pas comme avant, d'accord. Bonjour. Eh, Kanchu, comment ça se passe? Incroyable. Céline ne laisse jamais personne toucher à ses outils. Elle a dû t'apprécier. Ah, je peux les placer moi-même? Oui. Nice. J'aimerais trop l'avoir sur Switch, ce jeu. C'est pas demain. Je sais même pas si... Est-ce que sur le... Leur plan de vol, ils ont prévu une version console ou pas? Je crois pas. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de version console prévue du tout. Alors, pour placer un objet dans le monde, ouvre d'abord ton sac à dos avec Y. Choisis un objet que tu viens de fabriquer. Donc, on va prendre celui-là, par exemple. Tout en plaçant l'objet, tu peux le faire pivoter en maintenant ou en appuyant sur X. X, c'est ça. Ok. Ok. Donc avec le stick droit, on le déplace comme ça. Et avec X, ok. Mais je veux pas ici. En même temps, j'ai quoi? J'ai jardinière et clôture. Oh, c'est une simple jardinière, on va pas... Je sais. À l'entrée, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, tu peux la pivoter dans tous les sens, c'est pareil. Hein. Regardez. Non, hein. Non, c'est pas faux, non. En fait, non. Peut-être que maintenant, tu pourras piquer les meubles de la chambre. J'y ai pensé, Cathy. J'y ai pensé. Pas de chaque côté. De quoi? De quoi pas de chaque côté, Zabou? Pas dans les côtés. Qu'est-ce que j'ai dit que vous dites, vous parliez de côté? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore dit un truc que j'ai oublié 3 secondes après? Ce serait pas mon genre. Ne pose pas d'objets de chaque côté dans la rue en dessous des boutiques. D'accord, je sais pas pourquoi, mais je vais suivre votre conseil, du coup. Ok, 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 ok. Jardinière... Eh ben, il a voulu, lui. On va la mettre à côté de sa maison, hein. Non, c'est les clôtures qu'il voulait, lui. C'est la place pour les futures boutiques, ok. Re Jenny, comment tu vas depuis ce matin? Bon, on s'en fout, la jardinière, on va la mettre à côté de chez moi. C'est ça, ma maison. Ouais, c'est ça, oui. Le mec, il a oublié que c'est sa maison. Jardinière... Pourquoi je peux pas? Ah ouais, je peux pas la coller comme ça? On va la mettre là alors. Ok. D'accord, il y avait une clôture. Super, on va la mettre là. Ah là! Trop bien! Trop proche de la maison, oui, oui. Ok, maintenant... On la voit pas, c'est dommage. Ma maison? Ouais, t'as raison. En fait, il y a celle-là qui gêne. Mais déjà, on va faire ça. Je tape dans le vide. C'est pas grave si j'abats des arbres, on peut les replanter après. Hein. Je retourne voir Moss. Yes. Ah là, plus de visibilité.
Ah, salut les mecs! Avec l'appel. Parfait. Faut que j'aille voir Moss. Moss, c'est lui, hein. Putain, je sais jamais qui c'est. Si c'est lui ou l'éléphant. Merveilleux, ça va vraiment égayer le village. Ah, tu parles. Je parlais de pas voir la jardinière. Oui, mais maintenant on voit la jardinière et la maison avec la, les arbres que j'ai abattus froidement. Je me disais, avec les améliorations qu'on apporte au village, on va bientôt manquer de place. Je pense que tu devrais bientôt manquer de ressources si tu continues à fabriquer des choses. Comme tu l'as peut-être remarqué, il y a peu de place de l'autre côté de la rivière. Un peu de place. La rivière n'est pas très large, si tu lui demandes gentiment, Sally devrait pouvoir nous faire une sorte de pont. Qu'en dis-tu? D'accord. Ok, donc je vais aller voir Roma et après je vais aller voir Sally. Mais d'abord, on va retenter un truc. J'ai pas dit mon dernier mot. Attendez, je passe. J'ai rien fait. Oui, si tu as quelques minutes, j'aimerais te parler de quelque chose. De quoi donc? Au voleur, non? J'aurais envie de te récompenser pour les efforts que tu fais, t'inquiète, c'est bon, je me suis servi déjà. J'appelle ça les exploits de mer. Ah, bah c'est la dernière mise à jour. C'est la dernière mage. Mais ce sont juste des récompenses que tu peux débloquer en effectuant de petites tâches dans le village. Imagine que tu plantes des arbres ou autre chose, ça te fera progresser vers un exploit et une récompense. Dans le sac à dos dans lequel tous les exploits seront répertoriés afin que tu puisses voir ta progression pour chacun d'entre eux. Ok, on ira voir ça après. Du coup, voilà, ça confirme bien que pour les nouvelles parties, ça se passe comme chez McDonald's. Ça se passe comme ça. Ok, on va aller ranger notre maison. Après, on va aller faire un tour dans notre sac et on va aller voir Sally. Comment on sauvegarde, au fait? Ok, comme ça. Ah! Déplacer sac à dos, voilà. Alors, clic. Ah mais non, je veux pas voir ça tout de suite. Venez comme vous êtes, exactement. Consulte cette page, ok. Bonus plante domestique, grande plante domestique 1. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. On regardera ça après. Pour l'instant, je suis là-dessus. Ah si, bah j'ai une plante domestique. D'accord. Je peux pas le mettre à 45 degrés, lui? Ah si. Oh. Elle est presque fusionnée avec le, avec la fenêtre. Ok. Mon lit. Tu as construit ta maison, du coup tu as fait un exploit du maire, tu as gagné la plante. D'accord. On va mettre cette petite fleur. On peut pas la mettre... Oh, on peut la mettre dessus. Mais non. Mais Animal Crossing, remballe tes goals. Regarde. Regarde ce qu'on peut faire sur Ocolife. Je vais me faire des ennemis, ça va être un truc de ouf. Oui, bravo. Alors, on va juste aller voir. Je vais prendre la souris pour ça, ça va être plus simple. Ça va être ça. Hein. Ok.
Par contre, au clavier, je n'arrive pas à mettre en biais. Ah ouais, on se calme. Du coup, là, faut que je salue 10 villageois pour débloquer je sais pas quoi. Là, faut que je fasse jour de jeu. Ah bah, j'en suis à 3, ok. Il faut que je salue 20 villageois. C'est vraiment grave de pouvoir faire ça, mais oui. Ok, là, pour avoir un sac à dos plus grand, j'imagine, faut que je fasse 5 demandes satisfaites. Ok, donc ça, c'est quand les gens me demandent pour faire des clôtures, des pots de fleurs, des pots de chambre ou que sais-je. Là, 0 sur 15, c'est changement de vêtements. Ah oui! Faut que j'aille vendre des trucs. Oh, c'est trop bien. Pardon. Sally. Hello. Kenshu, quelle joie de te revoir. Je parie que Moss a aimé les objets que tu as fabriqués pour lui. On va perdre Kenny, ça y est. un pont, c'est vrai. Ah non, mais c'est vraiment cool, hein. J'aimais bien voir Zabou y jouer, et j'avoue que d'y jouer soi-même, c'est plus... En plus, là, je suis sur une phase quand même plutôt tutorielle, quoi. Mais c'est déjà très très complet, en fait. Il va trahir de Colife au lieu de DVD. Il y a du boulot encore, hein, mais... Je m'attendais pas à ça. Un pont, alors? Bon, il va nous falloir des planches en bois. Tu pourrais me donner un coup de main? Oui? Super. Alors. Il faut... deux bûches, j'en ai 12. Bah c'est bon. Ah oui, c'est vrai, faut que je fasse ça en fait, je suis con. Ah là là, qu'il est nul. Faut, attendez, faut que j'en fabrique combien pour le pont en fait? Attendez. Ah bon, on sait pas en fait. Des planches, pas des bûches. Oui, oui, des planches. Non, mais je veux dire, il me faut 12 bûches pour... 2 bûches, pardon, pour faire une planche. Mais faut que je fabrique combien de planches pour faire un pont? Elle te l'a dit, je crois. Ah, je lui ai demandé. Ah, 10, ok. Il m'en faut 10. Et donc... bah, il m'en faut 20, il m'en faut 8 encore des bûches. On va aller chercher des bûches qui sont à dire. On fera tout d'un coup. C'est rigolo de te voir jouer à ça. Il y a des arbres par là-bas sur la plage ou pas? Pas sur la plage, mais... Ça c'est pareil, c'est tout con, mais le fait de marcher sur un coquillage et de le ramasser automatiquement... Des fois sur Animal Crossing, tu vas sur la plage pour faire autre chose et... Même si le coquillage, tu dis je pourrais le prendre pour le vendre, mais des fois, franchement, flemme d'appuyer sur la touche, d'aller dessus et de valider, là, t'as juste à marcher dessus en fait. C'est trop bien. Bon, je suis venu ici pour rien, y a pas d'arbre. Descends. Monsieur le streamer, on va rester tranquille. Qu'ai-je fait, ma chère et tendre? Dites-moi tout. Je suis toute oui. Ou toute non. Cela va dépendre de tes demandes. Lui, le pauvre, il a quand même un arbre devant sa maison. C'est parti. Combien il m'en fallait encore? Je sais plus. Laisse Animal Crossing tranquille. De quoi parlez-vous? J'ai coincé. De toute façon, il y a trop d'arbres là. Oh, il y avait ça encore. Hop, hop. Dix planches. Oui. Je sais plus combien de bûches il me fallait. 10 planches. Donc il en faut 20. Bah c'est bon, on en a 21. Parfait. Parfait, parfait.
Pourquoi je suis venu là? C'est pas grave. Tant qu'on est là... Putain, ce fil. Tant qu'on est là, on va voir si on peut acheter des choses chez Tom Nook. Je sais plus comment il s'appelle. On peut pas acheter le ballon. On peut rien acheter. Mais non. Moi je veux le synthétiseur. Et je veux acheter des vêtements. Où est-ce qu'on achète des vêtements, monsieur? D'ailleurs, comment on se change? Où est-ce qu'on achète des vêtements, les filles? Faut finir le tuto, je pense. Ok. Merde, il y a encore tout ça, là. Kenny, voyons. Tu n'as pas la boutique. Pour me changer, du coup, donc c'est une... C'est notre boutique alors, ok. Patience. D'accord. Alors on va voir s'il est vraiment beaucoup plus fort qu'Animal Crossing. Genre, si je veux en faire 10, est-ce que je peux... Regardez. Je vais sur l'atelier, sur l'établi. Je peux choisir d'en fabriquer 10. Sur Animal Crossing. Pardon, Zabou, si tu veux fabriquer 10 trucs 10 fois la même chose, t'es obligé d'en fabriquer un. Et t'as l'animation avec l'autre qui tape. Tadam, tu as fabriqué un machin, génial. Et hop, tu fais une deuxième fois. Clinquin, t'as fabriqué un deuxième. Clinquin, t'as fabriqué un troisième. Clinquin, t'as fabriqué un quatrième. Jusqu'à 10. Merci Nintendo. Et là, c'est fait. Vrai ou pas? Dites-moi. Là, je suis parti en sucette, mais c'est vrai ou pas? Zabou, elle rigole pas. On peut bannir le streamer. Non, je suis le chef. Non, mais sérieux, là-dessus, j'ai raison ou pas? C'est tout con, hein. C'est tout con, mais ça éclaircit tellement la vie. Je vois des papillons, je vois des dauphins, je vois des licornes maintenant. Tellement je suis heureux. Oh la vache. Divorce signé. Re Elfette. Elfette, Zabou, elle veut divorcer d'avec moi. J'ai rien fait. Je suis MDR, mais c'est tout à fait vrai. Merci Sophie. Vraiment. Du coup, je suis célibataire, mon numéro de téléphone est le 0686, voilà. Désolé, hein, Zabouin. Alors. Bonjour. C'est vrai, sur les macrossing, des fois, c'est lourd, mais on a tellement le jeu qu'on fait même pas attention. Ouais, c'est vrai. J'ai créé rapidement un modèle de pont qui devrait faire l'affaire. Tu veux essayer de le fabriquer? Non, ça y est, on y est. Qu'est-ce que t'as fait, Kenny? Et j'ai osé faire des comparaisons Hololive Animal Crossing qui était en légère défaveur d'Animal Crossing et du coup légèrement avantagé Hololive. Du coup, il y a des gens qui n'ont pas aimé, y compris Zabou. Là, j'ai peur par contre. C'est un gros projet pour ta première construction. Oui, si le pont est pas droit et que les gens tombent et coulent dans la rivière, comment je fais? Allez, ok. Génial. Tu vois l'établi là-bas? Il y a un tas de dessins et de papier dessus. Oh là là. À cool avec. Oh. Oui, je vois les dessins. C'est là que tu peux transformer des modèles en véritables objets. Interagis avec pour commencer. Ça marche. L'établi est l'endroit où tu peux transformer des modèles en véritables objets. Interagis avec pour continuer. Ah mais oui, je vois rien, ok. Mais non, mais comment je fais pour quitter ce truc? Tu trouveras une liste des modèles dans les modèles existants. Alors attendez, je pose la manette. Ah, mes câbles, j'ai des fils partout, c'est l'enfer. Heureusement que la souris est sans fil parce que sélectionne le modèle de pont pour voir ses informations. Bah oui. Bon bah, je valide avec A alors. Ah non, c'est ça. Ah non. Ok, c'est là. Bah, il n'y a qu'un pont.
Cet écran indique les informations sur le modèle sélectionné, choisi, créé pour transformer le modèle en véritable objet. Tu n'as pas besoin du clavier souris, c'est vrai? Bon, dans les menus, après... C'est... Mais il n'y a pas de plan à faire, comme je vous ai vu faire, Zabou. Salut, Arlet. Tu sais, quand je te voyais tourner en 3D, faire les pieds d'une... mettre les pieds d'une chaise, mettre le dossier de la chaise, etc., il n'y a pas à faire ça. C'est étrange. Si, mais pas maintenant. Ah! Ce pont sera parfait pour nous permettre de traverser cette fichue rivière. Yes! On reprend la manette. Du coup, je regarde. Ah oui, c'est du coup le... en QRT. Ah, ça marche bien en... au clavier, en fait. C'est easy, en fait, au clavier. Attendez, je check un truc. Comme pour les meubles et autres objets, tu peux placer des choses plus grandes comme un pont à sélectionner dans ton sac à dos. Sélectionne le pont pour entrer dans le mode placement. Annulé. Ok, je vais juste voir un truc. Ah mais c'est easy en fait. Si tu fais que des clics gauche... C'est A pour charger ça, ok. Ah, c'est pas mal aussi au clavier. J'avoue, t'avais raison. Tu vas aller trop vite, Kenny. Il est tout mimi, ton perso. Merci, j'ai trouvé aussi. Regarde. Il est trop mimi. Je préfère les déplacements manette. Ouais, bah après, on a l'habitude de la manette. Hein. Mais je trouve qu'au clavier, en fait, ça va. Je m'attendais à pire. Pour un jeu en 3D vu du dessus comme ça, mais ça va. Alors, le pont. Entre les deux maisons comme ça, c'est pas ouf. Je suis pas obligé, je peux le mettre sur le côté. Hein. Genre par là plutôt. Parce qu'on vient de... Attendez, je regarde. Ok. On vient de là. Donc soit on le met là. Il me faudra un deuxième pont du coup en fait. Je le trouve beau graphiquement. Il est très joli. Hein. Salut Guillaume. Quoi de neuf? Ça va et toi? Parce que si on va là... Je sais pas si on peut faire un deuxième pont tout de suite en fait. On va peut-être le mettre là entre les deux maisons, mais c'est pas ouf entre les maisons, je trouve, c'est dommage. C'est dommage, dommage. Je le mettrai entre les maisons, mais je pense que c'est ce que je vais faire en fait. Mettre à côté de ma maison en fait. Oh, on peut le mettre en biais les ponts! Est-ce que dans Animal Crossing... Non, j'arrête. J'arrête. Parce que du coup, je me pose une question. Viens ici, monsieur. Allez, on va changer, on va le mettre là. On va le ressortir. Oh! Regardez! Ça passe! C'est trop bien! Non, d'accord. Je me mets la base à bout. On peut aussi, dans Animal Crossing, les mettre comme ça à 45 degrés. Vraiment? It's a joke, non? Moi, bon, j'arrête, j'arrête. Nice! Quel pont magnifique! Bravo Kenshu et Sally, vous avez fait du très beau travail. Tout le mérite revient à mon acolyte Kenshu. Moi j'ai juste fourni le modèle. Tu n'auras pas à le reprendre en fait, c'est pas méchant. J'aimerais pas reprendre quoi, le pont? Si je le mets comme ça? D'accord. T'en as aussi de biais dans Animal Crossing? My bad alors, j'ai rien dit. Notre petit village se développe, si tu le mettais en diagonale, ok. Ça mêle à l'arme à l'œil de voir toutes ces gentilles choses que tu as faites pour nous, Kenshu. Ça fera 100 balles. Ah! À vrai dire, deux de mes clients à l'auberge m'ont dit qu'ils aimeraient peut-être aménager ici. Au prix de quelques efforts, Kenshu a rassemblé assez de ressources pour rénover une maison. Avec son aide, on devrait pouvoir rénover la deuxième. Ah! Ok.
Alors, l'autre maison était là. Attendez, après, on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Euh, 40 bûches, ok. On ira voir ça après. Alors, allons-y. Par contre, il y a un nouvel habitant qui arrive, mais... toujours pas de pelle, toujours pas de canne à pêche. Eh, hey, c'est déjà pas mal. Bon, j'ai toujours pas... Il faudrait une petite... des petites marches là pour monter à l'étage supérieur, mais... Ah ouais, quand même. Je m'étais pas rendu compte que c'était aussi grand que ça quand j'ai voyé Zabouijou, et c'est un truc de fou quand même. Tu n'as aucune patience, c'est incroyable. Oui, parce que attends maintenant. Ce que je vais faire, si je construis un deuxième pont, est-ce que je peux le mettre ici? Oui, hein. C'était quoi? C'est pas là. Je me suis dit pareil. Calmez-vous, hein. Calmez-vous. Attendez voir, c'était là, hein. Ok, ah bon. Il faut 10 planches. Et il me faut... 20 bûches. On va faire des bûches. Il s'en sort pas mal en plus. Kenny sur Ecolive, c'est rare ça, bah, c'est la première fois. C'est plus que rare du coup. Il s'en sort pas mal en plus. Merci. Merci, merci. Pousse-toi, toi, j'ai pas le temps. Pousse-toi. Ah, il n'y a pas d'arbre ici. Flûte, crotte, cacaboudin. Ah, bah il y a ça. Bah si, il y a des arbres en plus. Tu vas trop vite. Mais non. Je veux faire un deuxième pont, je vais pas trop vite. Après, on fera le personnage de sa maison. D'abord, on fait le pont, Zabou. Tu arrêtes. C'est moi, je fais qu'est-ce que je veux. T'inquiète, des bûches, il y en a plein encore, regarde. T'inquiète. Regarde, j'en ai presque assez déjà pour le pont. 10 clics, ça va aller, Azabou. Rassurez-la. 10 clics que le monsieur gère la situation. Il me rend dingue, j'en étais sûr. Oh là là, voilà, c'est fait. Hop, on range la petite hache. La petite hachette. On passe le magnifique pont que Kenshu a fabriqué. Le voile a l'air de s'être dissipé. C'est vrai que tout à l'heure c'était bien parce qu'il y avait du brouillard. Mais il y a quand même un léger filtre. Mais ça va. Belle remarque, Cathy. C'est exact. Non, c'est là. Donc du coup, ce que je disais tout à l'heure, quand tu es arrivé, elle fait. Pour la fabrication d'objets, ce qui correspond à peu près à l'établi d'Animal Crossing. Lorsque tu vas sur un objet pour le fabriquer, comme là, tu as besoin de 10 planches pour faire un pont. Tu vas là, je fais des conneries là, c'est pas ça, si, c'est ça qu'il faut faire. Là, je veux fabriquer 10 planches. Je vais dessus, et je peux mettre directement 10. Pas comme dans Animal Crossing. Hop. Quand le moment sera venu, tu pourras lui dire, je te l'avais dit. Ah non, arrêtez, hein. Il m'en faut 54 pour le... Waouh, c'est magique avec le smiley. Par contre, eh, pour le deuxième point, il m'en faut 54. Hein. C'est des salauds. Hein. Ah ça, ça te fait rire. Hein. Ils m'ont niqué. Bon, on va pas le faire, alors, du coup. Au revoir. Bien fait. Allez, on va aller voir la boîte à dons. Bonjour. Il faut 40 bûches. Ah bah j'ai plus de bûches maintenant, j'ai des planches. Le karma. Voilà. Il manque des bûches.
Ouais, c'est ça, c'est bien fait, c'est ça. Après, j'aurais pu, hein, j'aurais farmé à mort la zone là, j'aurais pu avoir assez de bûches. Hein. Sûr et certain. On lui dit maintenant, je te l'avais dit. Non, pas la peine. Mais... Bienvenue à tous ceux qui regardent le stream, n'hésitez pas à follow. N'hésitez pas à follow la chaîne pour plus de contenu. Et puis ça fait toujours plaisir. Le petit arbre du fond là, tiens. En fallait 40, c'est ça? Ou 20? En fallait beaucoup quand même, hein. Ouais, les deux sorts-là, ils vont arrêter de rire. Hein. Et c'est gratuit. 40! Est-ce que je peux pas... Non. Décrafter un objet. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre les planches, je les transforme en bûches. C'est moche quand même, non, tu ne peux pas. Là, je vais devoir abattre tous les arbres. C'est terrible. On t'a dit de garder tes bûches. J'arrive pas à les prendre. Si, ça va, je les ai prises. Putain, il m'en faut encore 10. Oh, j'ai fait de la merde là. Hein. Ah là! Ça, ça sert à rien. Ah! Ah, il veut pas celle-là. Dis donc, ça bassote dur dur. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On va remettre juste ce petit truc-là. Hop. On a combien? On a 37. Ah! C'est moche. Oh là là. Tant pis, je replanterai plus tard. Je replanterai plus tard quand je pourrai avec la pelle. Hein. Oui, oh, ça va. J'ai compris. Hop. Nickel. Dans mon jeu, c'est pareil, j'ai un genre de mur invisible sur le côté de l'atelier qui m'empêche de couper les arbres. Ouais, je pensais juste de la déco, en fait, mais c'est pas... Tu peux pas interagir avec, quoi. Par contre, je peux pas choisir l'habitant, ça sera forcément ce lapin-là. Pareil chez moi, ok. Ok. Tu m'as dit. Alors tout à l'heure, il a dit qu'il y en avait deux qui voulaient emménager. Maintenant, il dit qu'il y avait personne. Au début, oui, mais après, tu en auras en file d'attente. Ok. Après, ça va, il est assez mimi. Il est marrant avec sa chemise un peu à la Dwight dans des BD. C'est dommage, par contre, ils auraient dû mettre des petites voix au personnage. Ça aurait mis un peu plus de vie, je trouve.
Moi aussi, demain je donne ma démission, je vais habiter sur une petite île comme ça. J'avoue, bien trouvé pour la chemise, mais ouais. Hein. Ça ne devrait pas prendre trop de temps de faire mes cartons. Dommage qu'ils aient pas activé les trophées encore, parce que c'est pas la version finale du jeu. C'est con ça. Il y a des voix dans Animal Crossing, oui je sais. On va faire une vidéo. Une vidéo putaclic. Animal Crossing versus Okolife. The duel of the dead. Mais ce serait une bonne idée de vidéo, hein, sans parler du putaclic, mais la comparaison sur plusieurs éléments en fait, et les points forts, les points faibles de chacun en fait. Mais oupla. Pour ça peut-être attendre la sortie en version 1.0 du coup d'Okolife. Le gros duel, ouais, the big duel. Mais pourquoi pas, ça pourrait être cool. Hein. Ça marcherait si ça se trouve. C'est possible. Bon, le truc, c'est que ça sort pas sur les... C'est pas sur les mêmes plateformes, donc il n'y a pas trop d'intérêt de faire ça, je veux dire. Ceux qui n'ont pas de Switch, qui n'ont qu'un PC, qui veulent jouer à Animal Crossing Like, ils jouent à Okolife, et vice-versa, quoi. Okolife a quand même pas mal pompé les idées. Ah bah oui, non mais oui. Mais plus que ça, hein. Si Animal Crossing n'aurait pas existé, Okolife n'existerait pas. C'est comme pour les Pokémon Like, hein. c'est comme pour Temtem, c'est comme pour... comment il s'appelle l'autre? Digimon? Doraemon? Digimon? Je sais plus quoi, là. Celui que Zabou a fait en vidéo il y a un an et demi, deux ans, là. Et toutes les autres copies de Pokémon, quoi. Si Pokémon n'existait pas... Oui, alors certes, ils ont amélioré beaucoup de choses que Pokémon ne fait pas, mais... Nexomon, voilà. Oui, ça va Audrey, hein. Calme-toi. Hein. Mais si Pokémon n'existe, certes, ils doivent, donc je disais, ils ont amélioré pas mal de choses sur, par rapport à Pokémon. Mais si Pokémon n'existait pas, voilà quoi. Digimon, c'est pas Pokémon. Hein. Oui, oh, ça va. Trucmon, quoi. Voilà. Trucmon, merci. Bref. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider à emménager dans sa maison? Bonne nuit! Digimon, c'est vieux, je me suis trompé de mon. Okay, est-ce qu'on voit l'heure qu'il est? Il est 9h, mais on va dormir un peu. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Kenny aussi. Oh! Maintenant, c'est moi qui demande le divorce. Voilà. Ils m'ont fait peur! Bonjour! Je crois que c'est le dernier carton. T'as déjà dormi? Bah oui! Ça y est, c'est fait! Il était 9h du matin, oui, mais j'ai pas dormi depuis que je suis arrivé. Si, sauf à l'étage. Dans la petite chambre où j'ai piqué les objets. La maison est magnifique, Kemsu, je n'ai jamais eu le courage de me lancer dans un projet de rénovation pareil. Mais ça fait quoi si on dort? C'est pas grave, si? Il ne me reste plus qu'à défaire mes cartons. Ou à faire une petite sieste. Haha. C'est encore le matin à Benny. Oups, j'ai dormi le matin. Ça le fait tout seul, c'est pour que tu aies dans ta maison à chaque fois. Ok. T'avais deux cartons, Benny. Ils étaient très très lourds. Oh là, qu'est-ce qu'il va me demander maintenant? Je suis Rosa, je dirige une société immobilière bien connue dans la région. J'ai vu le travail que tu as fait ici, Kenshu, et je trouve ça impressionnant. Les villageois sont très feignants. Ouais, je vois ça. Je me disais que ce serait intéressant pour tout le monde que j'installe un bureau ici. Ah bah oui, je vois qui c'est, ok. C'est lui qui nous suit pour déplacer les maisons, c'est ça? J'ai de nombreux contacts et je pourrais participer à la construction de futures maisons.
D'accord. J'ai demandé un permis de construire pour un nouveau bâtiment au centre du village, il sera prêt demain. Parfait. On va peut-être dormir alors, hein. On va aller voir la boutique d'abord si on peut enfin vendre et acheter des choses. Elle incarne la lenteur et la perfection. Je suis trop content, mon petit bonhomme, il est vraiment cool. Ouais, il est vraiment cool. Putain, on peut toujours rien acheter? C'est dégueulasse ça, ils vendent des poubelles ou quoi? Si je lui parle. On peut rien faire. On peut rien faire, c'est con-con ça. Ah, c'est vrai qu'il faut que je salue des habitants. J'avais oublié. Je sais pas ce que ça débloque, on va aller voir. Il y a des meubles trop classe. Bah oui, mais je peux pas les acheter, alors. Ça sert à rien. Hein. Bon, les habitants, vous êtes où? Vous êtes là. D'accord. J'ai coupé trop d'arbres, je crois. Non, j'ai pas de pelle. Cool. Yes. Pelle. C'était dans quoi? C'était là-dedans. Planche. Ah, vous voyez, j'ai assez de planches du coup. Pour faire une brique et une pelle. J'en ai même trop. Et il manque une bûche. Putain, encore une bûche. J'en veux juste une, je veux pas abattre l'arbre. Voilà. Ok. Faut que tu les salues, pas que tu leur parles. Comment on fait pour les saluer? Je sais pas, moi. Comment on fait pour saluer les gens? Je pensais qu'il fallait leur parler, moi. Je me trompe de truc à chaque fois. Nice. Ok. C'est quand même Kenny qui a créé Memento. Attends, quand Kenny a créé Memento, Zabou? C'est quoi ta... Je comprends pas ta question, Fred. Mais oui, c'est moi qui ai créé Memento sur Animal Crossing. Croix directionnelle droite. Non, il se passe rien. Je pense qu'il faut que je le débloque, ça aussi. Hein. Sac d'argent, ok. T'avais que des meubles, t'avais des meubles que Zabou voulait. Ok, exact. Ça raccourcit sur clavier, sur la touche C, sur manette, je ne sais pas. Petite gâchette, on va essayer. C'est ça. Petite gâchette droite, alors on va retourner les voir. Vous êtes où les mecs? Là. Est-ce que ça prend en compte? Non, ça prend pas. Je suis toujours à 0 sur 10. Ah ok, faut que je leur parle et je fasse... Ok. Beau travail pour l'appel, j'ai des graines pour toi, il y en a 6 au total, plante-les dans les trous que tu creuses et tu auras bientôt des arbres.
Ah bah c'est ça en fait, c'est les graines de conifères, ok. Donc... Pas besoin de parler? Ah ouais? Ok. Et du coup, je suis à 3 sur 10. Ok, on va planter tes sarpes. Merde. Il faut arroser, j'imagine? Ou ça pousse tout seul? Est-ce qu'il faut arroser? Non, ok, parfait. Du coup, on va remettre aussi des arbres sur la place du village. On va en mettre un là. Ok. Ça pousse tout seul, parfait. Alors, on va en mettre un là. Monsieur, viens. Ok. Les graines sont dans le raccourci des outils aussi. C'est vrai? Ah oui. Ça marche pas s'ils discutent ensemble. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je suis un noob encore. Hein. J'avais pas... C'était pas une mission à planter les arbres. C'était juste un conseil, hein. J'avais pas un nombre spécifique à faire. Salut Pikachu! Jean-Kevin, ça se passe bien. Ça passe même très très bien. Si tu veux tout savoir. Ok. Ah ouais, non, mais c'est très 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 bien comme jeu, Elodie. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ok. Là, il y avait un arbre, ok. On va peut-être en mettre un ici, entre les deux maisons. Ça peut être sympa. J'arrive pas à centrer. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Mettre un là. Ça, on va enlever. Pikachu, ça... Merde. Pikachu, ça y est, j'ai la ref. Oui, oui, oui. Ces pépites. Salut. Je vais montrer à Mamita cette intro de professionnalisme. Non, faites pas ça. Faites pas ça. On n'est pas trop mal, ok. Il fallait qu'on aille voir la nouvelle boutique le lendemain. Est-ce qu'on est déjà le lendemain ou pas? C'est un lien entre Animal Crossing et un jeu de ferme, c'est bien ça. Ouais, si on veut. Après, il y a plein, il y a une quarantaine de vidéos quasiment sur la chaîne, Harley. Il y en a régulièrement, toutes les semaines, il y a des vidéos sur ce jeu. C'est oui, c'est une sorte d'Animal Crossing. Non, on n'est pas le lendemain. Là, il faut que j'aille dormir, par exemple. Quelle heure il est? Il est dit, ouais, là, il faut que j'aille dormir. On va aller dormir. C'est soleil couchant, c'est pas mal aussi, hein. C'est plutôt joli. Salut. Je suis à combien? 7 sur 10. Je dirais même, il y a des vidéos tous les jours sur la chaîne, n'hésitez pas. Oui, non, mais je parle de Co-Life. Qu'est-ce que je fais? Je parle de Co-Life Pikachu. Oui, sinon il y a des vidéos tous les jours. Sauf cas exceptionnel. Dormir. Jusqu'au demain. Jusqu'à demain, pardon. Allez.
J'espère que c'est une boutique de fringues. Salut Kenshu, quelle joie de te voir. Comme tu le constates, les préparatifs sont terminés, mon bureau est prêt. Ça signifie que je peux accéder... C'est l'agent immobilier. Ah oui, c'est vrai. Je pensais qu'il ouvrait une boutique de fringues. D'accord. On peut le faire tout de suite ou vous croyez qu'il y a quelque chose de plus urgent? Parce que là, j'ai plus d'autres choses à faire pour l'instant. Ça fait un moment que le jeu est sorti en early access. Oui. On va faire une nouvelle maison du coup. Hein. Parce que l'autre, je suppose que je peux pas toujours pas lui vendre des trucs. Putain, je peux pas lui vendre, je peux pas acheter, c'est naze. Nyeh. Du coup, Zabou et Aurore, vous qui avez fait le jeu avant moi, avant les dernières mises à jour, comment vous trouvez le début du jeu, du coup, par rapport à ce que vous avez fait, vous, en fait? Bienvenue, merci de ta visite. Je propose deux services. Premièrement, tu peux acheter des modèles de toit et de murs parmi ceux présentés ici. Ça, c'est à faire. Cela permet de personnaliser l'extérieur des maisons. Je renouvelle le stock régulièrement, n'hésite pas à passer quand tu as un moment. Deuxièmement, et ce n'est pas rien, je propose des services de construction. Si tu veux bâtir une nouvelle maison, tu dois passer commande chez moi. Il faut de l'argent et des ressources. Et pour avoir de l'argent, il faudrait que je puisse revendre des choses, en fait. Faut parler aux villageois tous les jours pour avoir des missions. Ok. Il est tellement mieux le début, ah ouais. Ma dernière partie, le début, est pareil, sauf avec les exploits du maire en moins. Oui, du coup, oui. Il y a ça qui a été rajouté entre-temps. Ici, tu peux voir les maisons qu'il est possible de construire. Ah ouais. Ça coûte de l'argent plus des ressources en fait. Ok. Ok. Elle m'a dit c'est... Je veux voir les toits maintenant. C'est tellement différent, c'est simplifié comme dit Zabou. Ok. Non, pas nouvelle maison. Je veux voir les toits. C'est chelou, hein, c'est bloqué en fait. Hein. Bon bah tant pis, peut-être qu'on peut pas. Hein. Nouvelle maison, on va voir ce que ça fait. Faire une maison simple, argent insuffisant, bah ouais. On peut rien faire. À droite, tu as un toit et un mur. Bah ouais, mais je regarde. Je peux pas interagir. Il y en a un par jour, mais t'as pas d'argent. Bah là, j'imagine qu'il faut parler aux habitants. Attendez, déjà je vais essayer de débloquer ça. Je vais déjà saluer les habitants que je croise. Histoire de débloquer le premier défi du maire là. Et puis après, je sais pas, peut-être voir s'il y a des missions à faire. Ah bonjour. T'es qui toi? Merci. Je vais aller faire ça. Le monde minuscule des insectes, ces magnifiques petites créatures qui volettent, bourdonnent et vaquent à leurs occupations. Oui. Il va me donner le filet, je pense. Est-ce que tu as des sacs dessous dans ton inventaire? Je ne sais plus, je vais aller regarder. Yes! Est-ce que j'ai, tu m'as dit quoi du coup? Sac de sous dans mon inventaire. J'ai ça. Oui.
Ah bah du coup ça me donne de l'argent, ok. Ok. Là j'en suis où? Ah là c'est les poissons et insectes du coup là. Ok, et là on a 8 sur 10. On va essayer de le faire encore ça. Youp. On va essayer de saluer les derniers habitants qui manquent. Là il y a quelqu'un. Ok. Toi c'est déjà fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah, l'arbre a déjà poussé hein. Une fois les papillons attrapés, va à la boutique. Ouais, je vais faire ça, je pense. Oh, il est beau, lui. Pan du jour. Nouveau record, 70. Ouais. Ok. Bon, on va à la chasse aux papillons en même temps. Hein. Par contre, j'ai... Ah ! Macaron. Bah, c'est comme Animal Crossing, du coup. Ok. La musique elle est tellement chill je trouve. Putain j'ai du mal. T'es où papillon? Je trouve une perspective très dure avec les papillons, j'ai du mal aussi. Ouais, la perspective est très chelou. Y a pas de musée dans ce jeu, je ne crois pas. Faut demander à Zabou pour ça, Pikachu. Salut Galou, bonne fin d'après-midi à toi. A tout à l'heure, du coup, peut-être. Bah, si tu me dis à ce soir, j'imagine que oui. Je vais pas te saluer, toi encore. Bah, écoute, si, hein. Ok. Exploit accompli, sac d'argent. Bon. Il faut que je fasse des jours de jeu. Ok, bon ça va être fait tranquillement. Ok. C'est juste une collection, pas de musée, d'accord. Coquillage. On prend tout ce qu'on peut. Hein. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent le stream. Bienvenue, bienvenue. Je découvre Ocolife après avoir regardé Zabou jouer des dizaines et des dizaines d'heures. Et j'avoue que c'est vraiment cool. Ah bon, y a pas d'insectes sur la plage? S'il y en avait un là. Ah non. J'ai rien dit. Virginie. Et merci pour mon sub ce matin, mon sub offert. Merci beaucoup. Je suis plus habitué à te voir jouer à des jeux d'horreur et de fantômes. Bah oui. Mais tu sais, moi je suis vraiment ouvert à tous les jeux. Hein. J'ai cru qu'il était mort ce papillon. On va essayer encore d'en choper 3, 4, 5. Et puis après on va retourner à la boutique, voir si ça fait quelque chose. Il faut des marches. Ouais, j'ai pas de marche encore. J'ai pas de marche. Ah bah personne n'est habitué, je crois. Allez. Oh, il est beau lui. Vite. Non, reviens en bas. Mais non. Yes. Je crois que personne n'est habitué en fait. Par contre, ça manque un peu de. On va remettre un arbre peut-être par là.
Bah, il y en a déjà un là. On va en mettre un là. Hop. Et voilà. La file à papillon. Ça fait bizarre, mais c'est sympa de te lire jouer. De me regarder jouer, j'imagine. Merci, c'est gentil. Bon, bah, allons voir la boutique. Maintenant que nous avons des papillons. Il se passe rien. Ok. Les sous-sous, des sous-sous. Bah oui, mais j'ai pas de sous-sous. J'ai des papillons, j'ai pas de sous-sous. En plus, là, mon sac d'objets va être plein. Bientôt. Comment je peux me faire des thunes? Si je peux rien vendre. J'ai pas vu, t'as parlé à Moss. Ouais, il m'a dit salut, bonne journée, ça va, bientôt. C'est tout. Parce que pour progresser dans le jeu, faut que je fasse la nouvelle maison. C'était 800 balles, je crois. J'ai 250 balles et je peux rien vendre en boutique. Je vais aller voir l'éléphant s'il me dit quelque chose. C'est chelou quand même. Hein. Ah, comme sur Animal Crossing, on peut lui dire je peux faire quoi. Je me demande s'il faut pas débloquer un exploit du maire, je sais pas, c'était pas comme ça pour nous. Ben on va voir. Ok. Faut que j'aille rendre visite aux villageois pour voir s'ils ont besoin d'aide. Ok. Du coup, c'est comme Animal Crossing quand tu vas voir Tom Nook. J'ai besoin de. Je dois faire quoi et hop. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Est-ce qu'on peut voir d'extérieur de la maison s'il y a quelqu'un dedans? Ça, je ne sais pas. Salut! D'accord. Ok, bon. Lui, il n'a rien proposé. Le nouvel habitant, est-ce qu'il est là? Salut! Oui! La place, l'objet, non? Tu veux pas? Bon bah ok, on va le mettre là alors. Chaque printemps, je commence un nouveau projet de bricolage qui ne finit jamais, mais cette année, ça va changer. Je ne vais commencer aucun projet. Ah, c'était un carton avec une télé dedans. Ah, c'est fini, monsieur. Ah, d'accord. Ok, c'est tout. Ouvre les exploits, on va regarder. C'est ça, hein. Voilà, voilà. Putain, les fils, ça me saoule. Il me reste 8 jours de jeu, 2 jours de jeu à faire. Ouais, ma souris. Elle a disparu, mon curseur de souris a disparu. Ah, ils sont beaux les animaux. Une demande satisfaite 0 sur 5. Changement de vêtements. Mais le reste, je peux pas faire grand chose en fait. Hein. Objet vendu, je peux rien vendre. À part ça, les jours de jeu et faire coucou aux gens. C'est bizarre. Ah bonjour Zabou. C'est étrange. Coucou. Qu'est-ce que t'as remarqué? J'ai remarqué qu'il y a 5 onglets. Ouais, mais j'arrive pas à y aller. Je sais pas comment t'y vas en fait. T'arrives pas à y aller? Ah si, ça y est. Voilà. Ok. Attends, on va regarder. 6 sur 12. Pas comme ça chez nous. Ah les arbres plantés, faut que j'en plante 12. Ouais, mais ça débloque de l'argent, regarde les ombres. Ah, d'accord. Descends voir. Ça, c'est, je l'ai pas non plus, ça, tu t'en fiches.
Là, c'est quoi? Les insectes. Non, mais j'ai sauté. Pardon, excuse-moi. Tu veux descendre? Attends. Descends voir un peu, ouais. Encore. Ça, c'est pour débloquer la houe, donc nous, on s'en fiche. Va voir dans la maison violette, là, à la fin. Ça représente quoi, ça? Modification de maison intérieure, ouais. Et 1 sur 3, aménagement de villageois. Bah, ça, c'est pas tout de suite, du coup. Je vais aller voir les autres villageois. Descends voir. Leur poser il y a plusieurs branches. Leur poser des questions. Ça, c'est pour la mine. Visite ok, de la c'est mine. Pas ça. Ça, c'est l'ordinateur pour acheter, donc je l'ai pas moi non plus. Hein. Mince. Non, mais t'embête pas, je vais parler aux villageois. J'ai parlé aux villageois et puis. On le vit dans l'outil. Non, là, c'est des sous. Descends encore. Encore. Je plante des fleurs, des carottes, ouais, des non, machins. Non, c'est pas ça, ça c'est la ferme. Non, le seul truc que je peux faire, c'est ça. Ouais, mais ça n'a rien à voir, tu vas débloquer. Ouais, c'est. Je sais pas ouais, quoi, je sais pas ce que t'es en train de faire, tu vas débloquer. C'est de l'argent, ouais. On vient de voir là-dedans encore. C'est handicapant ce qu'ils ont fait pour vendre en fait. Bah ouais, parce que là t'es un peu bloqué. Bah quoi. Ouais, parce que je me rappelais pas qu'on galérait comme ça. Non, mais je vais. On pouvait pas le faire tout de suite. J'ai parlé qu'à un habitant, je vais parler aux deux autres. Il y a peut-être une mission, un truc à faire. Tu leur reparles, sinon au pire tu endors jusqu'au lendemain. Ouais. Ça va peut-être débloquer quelque chose. Ouais. Je sais pas, Aurore, si c'est encore pareil avant. Qu'avant. Parce que normalement, les nouveaux villageois ils viennent chez Oma. Entre midi et 14h, je crois, et à partir de 17h. Oui. Donc, c'est les horaires où tu vas voir chez Oma et où tu peux inviter les gens à venir dans le village. Ouais. Ils te parlaient de deux, mais du coup, on en a invité qu'un, donc peut-être que tu invites un deuxième. Ok, donc je vais voir l'éléphant, quoi. Oui, mais à partir, je sais pas quelle heure il est. On verra bien. Il est 12h30. Tu peux y aller tout de suite maintenant. Tu peux y aller tout de suite. Eh ben, on va aller voir, puis on va parler aux autres habitants. On va essayer. On va essayer. C'est vrai que c'est étrange. Ça va, Papa Crux? Comment ça se passe? Bla 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 bla. Ouais, non, il y a rien. Il y a rien. Quel villageois je n'ai pas parlé. Sinon je vais aller dormir, bizarrement. Ouais, c'est bizarre. Hein. À qui je n'ai pas parlé. Toi, je t'ai parlé ou pas? Ah! J'ai une autre tâche à te confier. Ça fait des années que je déplore la disparition progressive des fleurs ici, je ne peux pas rester les bras croisés. Comme tu l'imagines, je ne peux pas me baisser pour en planter. Vu que tu n'as manifestement rien à faire, je me suis dit que tu pouvais récupérer des graines de fleurs chez Moss. Et les planter, bien sûr, d'accord. Ok, ça progresse. Il donne envie d'y jouer, bah vas-y, fonce. Fonce. Ouais, ça va débloquer, j'imagine. La boutique. Hop. Ouh, nymphale de l'arbousier. Il était beau celui-là. Il est tout émis, ça donne envie, mais oui. Moi, à chaque fois que je voyais Zabou y jouer, ça donnait envie. Je veux bien. Merci. Super. Tant mieux. J'ai pas un sou. C'est ce que je me disais. Tu as peut-être des choses dans ton sac à dos dont tu ne veux plus. Bah oui. Ah. Achète-moi des choses. Alors. Les planches, on va les garder. Ça, on va garder. Sac de couchage, prix de vente, zéro.
Ouais, bon, on va peut-être le mettre dans une autre maison. Ok. Ok. J'ai pas regardé ce que je peux acheter par contre maintenant. J'ai pas acheté parce que j'ai besoin d'argent, mais. Hache basique. Oui! 150 balles la chaise. C'est quoi ça? Tas de déchets. Combien ils vendent ça? 5 balles les déchets. Tasse vintage. 10 balles. Un sol puzzle, 70 balles. Et du lambris mural gris, 75 balles. Ok. Ah mince, j'ai loupé, j'étais parti aux toilettes. Comment t'as fait pour débloquer? J'ai parlé au mec qui m'avait demandé de planter des arbres. Et maintenant, il m'a demandé de planter des fleurs. Est-ce que je dois utiliser la pelle aussi pour les fleurs, par contre? Du coup, ça m'a débloqué la boutique. Oui, ok. Ok, ok. Alors moi, les fleurs, c'est vraiment pas mes potes. Hein. Je sais jamais comment les placer quand je... Sur Animal Crossing, par exemple. Donc on va faire une ligne comme ça, à la con. Hein. Je... Voilà. C'était ça. Hop. Pas besoin d'arroser non plus. Parfait, merci beaucoup. Parfait, parfait. On va aller mettre un peu dans le, de l'autre côté. Comment ça t'es pas copain avec les petites fleurs? Ouais non, c'est pas que j'aime pas les fleurs, mais c'est que dans les jeux je sais jamais ça fait toujours dégueulasse là où j'ai mis en fait. Ça fait jamais joli, tu vois. Tiens, on va en mettre là, à côté de ma maison. Non, ça va faire bizarre avec le pont. Par contre, à côté du pont, est-ce que je peux? Non. Bon. On va mettre là. Ah, c'est vrai qu'il y a le raccourci. Suis-je bête? Tu peux coller les arbres et les fleurs, ça pousse pareil, même contre des murs. Ok. Ok, ok. On met une là. Mais... Ah, je me chie un peu encore dans les touches. Hein. Ça va venir. Ah! Ah là! Ok. T'es où, monsieur? T'es là. Ces fleurs vont vraiment faire une différence. Il m'a filé des sous. Ok. Du coup, on a 515. Ben, c'est bien, on améliore du coup. Je pense qu'avec après quelques papillons, tout ça, on sera bien au niveau des sous. Il n'y aura plus que les constructions à faire du coup. Enfin, les constructions, les plans. Tu peux faire la maison du coup. Presque, presque, presque. C'était 800 et des bananes, je crois. Je suis à 500. Viens ici, papillon bleu. Et je t'ai eu. C'était 400? Sérieux? C'était... Ah ouais, on va aller voir. Je pensais que c'était... Pourquoi j'ai vu 800, moi?
C'était ta deuxième maison, du coup. Mais c'est pas là. C'était la deuxième maison, ouais. Nos Zabo et Roar, elles ont passé le stream à... Elles ont passé le stream à dire la même chose toutes les deux à 20 secondes d'intervalle. 416 planches. Mais c'est pas là. Kedi, c'est pas là. C'est là. Bonjour. Il ferme à 16h. Nouvelle maison. C'était 400. Il faut des planches. Vite. Vite, vite. Sinon, je dormirai, j'irai le lendemain. Putain, il faut que je... Ah là 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 là. Faut que j'abatte des arbres encore. Toujours écouter les femmes. Non, pas toujours. Ça arrive, pas toujours. Les planches, combien je peux en faire? Tit 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 tit. Ok. Tac, du coup j'ai 14 planches et un fallait. J'ai assez, hein. Putain, je sais plus. Combien m'en fallait? Putain, j'ai une noire de poisson rouge, bordel. 16. Merde, il m'en faut encore, ok. Putain, je vais devoir abattre un arbre encore. Ah non, pas forcément. Ah bah si, si. Ouais. On va le replanter tout de suite. Hop. Ah là. Faut noter sur des post-it. Mais oui. Exact. Tac. J'en ai même fait trop. Ouais. Nice. Galou, je te vois jouer au Schtroumpf. Je surveille tout le monde. Les arbres, ça pousse vite, n'aie pas peur. Ok. Bah, je vois que déjà en une journée, ça pousse très vite, hein. Quelle heure il est? 15h20, vite! Monsieur, salut lapin! Ça te donne pas envie, papa Crux? Nice! Super! Où veux-tu construire? Suis-moi! Alors là, c'est là que c'est l'angoisse, c'est ça? Monsieur! Oh là là, tu marches. Oh, puis il prend le même chemin que moi! Oh mon dieu! Il va se téléporter, hein! Monsieur! Tu peux lui demander de suite et tu l'emmènes à la maison. Je vais me commander sur Switch. Alors attends. Ok. Ah, c'est difficile parce que... Oh la vache. Où qu'on pourrait la mettre? Putain, on peut la retourner complètement, c'est génial. Mmh. Je sais pas où la mettre. On va la mettre au fond là-bas? Ouais, hein. Nice. C'est top ici. Bah voilà. Merci de ta confirmation, Kenshu. Mettons-nous au travail immédiatement et tout devrait être fini dans 2 jours. Non, toujours pas de version console. Bah déjà, faut que le jeu sorte en version définitive sur PC, ce qui n'est toujours pas le cas. Je vais superviser la construction, je ne serai donc pas au bureau tant que le chantier ne sera pas terminé.
Il a dit combien? Le lendemain ou deux jours? Nice. Est-ce qu'on peut voir le chantier? Oh, mon premier chantier. C'est émouvant. Il est à combien? Il doit être à... sur un... Faudrait voir sur un stand gaming, je crois qu'il doit être à une dizaine d'euros. Monsieur le streamer, ce jeu le tournerait sur mon PC. Au niveau du pro, c'est de la RAM, il n'y a aucun problème. Mais t'as pas de carte graphique. T'as qu'une puce graphique sur ton pro directement. T'as pas de carte graphique à part, en fait. Donc, j'ai un doute. Ton PC, c'est un très très bon PC pour faire de la bureautique. Il est vraiment... il y a un SSD, le processeur est très bon. T'as 16 Go de RAM en DDR4. C'est vraiment top. Hein. Sinon, voilà. Essaye Can You Run It. Exactement comme elle dit. Oh, j'ai même pu penser, tu vois. En plus, c'est moi qui ai fait la vidéo. C'est ça, c'est un très bon PC de bureautique que t'as. C'est, par contre, c'est pas un PC gamer, quoi. Ok. Eh ben, écoutez, les enfants... Tampika, Kenya fait une vidéo pour ça, mais même moi j'avais oublié. Il me semble que les devs ont précisé qu'il fallait une carte graphique. Oui, les devs ont déjà précisé qu'il fallait une carte graphique, donc. Donc voilà, voilou. Eh ben écoutez, regardez. Au revoir. Au revoir. On va arrêter le stream là-dessus. Et du coup, on se donne rendez-vous ce soir vers 20, entre 20h30 et 21h. On va se faire la ruite. La suite. De Road 96 qu'on avait commencé la semaine dernière. Tu as une vidéo que Kenny a déjà fait qui l'explique. Oui, mamie et Sophie, pardon. Oui, exact. Merci pour le live, merci pour le stream. Merci à vous, c'était cool. C'était super cool, c'était super fun. Je pensais pas accrocher comme ça. Et... En plus, on a bien ri. Surtout quand j'ai fait les comparatifs avec Animal Crossing. Tout le monde a pris ça bien, sauf une personne. Quelqu'un s'est vexé. Je ne sais pas qui. J'espère que tu referas une suite. C'est possible, Elodie. C'est fort possible. Et du coup, on se donne rendez-vous ce soir entre 20h30 et 21h. Environ, à peu près, approximativement. Ça va être ça. Moi non plus, toi non plus, Zabou, tu sais pas. Hein. Tu ne sais pas. Hop, je reprends la deuxième souris. Je vous dis à tout à l'heure, du coup. À tout à l'heure. Hop. Hop. Et des bisous. Et bonne fin d'après-midi, bon appétit. Et vers 20h30, 21h, on se retrouve pour Road. 96, des bisous.